On apprend dans le sud PIA avec Louis-Nel Jean-Louis et puis Hervé Pierre. Bonsoir Louis-Nel. Bonsoir Serge Junior Lindor. Eh bien, Jean vous annonce non présent dans le côté nous venons garder état d'avancement divers chantiers, comment travailler, dans quel niveau vous êtes. Faut que moi dire Serge Junior, nous avons une chance de visiter un gros chantier dans la commune d'Obec, dans le chantier ça nous connaît qui gagne travail qui a fait sur tronçon route qui relie Kafou Méridien du Sislan. Un mètre travail ça avancé à grands pas, donc gagné près de 6,4 km qui déjà asphalté dans la route ça. Et travail a continué la journée ou la nuit. Terrassement continue à faire, remblai continue à déposer, élargissement continue à faire, une façon pour porter satisfaction à les gens qui ont fréquenté la zone ça. Nous avons eu chance de visiter le travail qui a fait dans la commune Maniche, donc sur tronçon route qui relie Kafoudolin Maniche là. Un bien travail élargissement yo a continué, technicien yo mobilisé, remblai déjà a déposé, donc c'est gros satisfaction tout pour moun kap fréquenté commune Maniche. Non pas traité seulement dans département sud là, nous avons eu chance de visiter département Gadans côté notal constaté, notal gardé état d'avancement travail cap fait donc dans plusieurs rues en dans ville Jérémy. Donc il y a plus que une vingtaine rues qui déjà imprégné, donc il y a plus passé une dizaine l'autre travail terrassement yo a continuer là-dedans. Eh bien image là, Louis-Nel Jean-Louis, Hervé Pierre sur place pour permettre d'informer de tout travail infrastructure qui a fait dans le département sud, département Gradance dans le cadre caravane changement. Bonsoir, c'est Louis-Nel. Nous allons rapidement nous présenter les Méridiens du 6 pour aller voir qui genre équipe caravane avance. Voilà, c'est Junior Lindor, nous saluons. Eh bien, Jean a annoncé. Nous, dans la commune Tobek, et nous venons suivre, nous venons garder l'état d'avancement, travail qui a fait sous tronçon route qui est lié Kafou Méridien et du 6 là. Travail terrassement a continué, enlèvement a continué, travail déblé a déjà fait. Donc, route ça qui déjà gagné 6,4 km, qui déjà asphalté la donne, rivé jusqu'à, nous avons dit, sorti Kafou Méridien, rivé jusqu'à Kafou Béo. Donc, c'est comme ça travail a avancé. Image là, nous invitons à regarder ensemble avec nous, niveau ou du moins état d'avancement travail ça. Comme chiffre là, premièrement nous gagnons 6,4 km asphalte qui déjà fait déjà arriver jusqu'à Kafou Béo. Et actuellement, on a arrêté 4 km pour arriver du 6. C'est ce qu'on a préparé là, on va regarder le fini, on va faire visiter, côté on a fait terrassement, on a fait enlèvement, on a fait remblai, on a fait déblai et puis on a mis 31,5 pour avancer vers du 6. L'homme arrive à Kafou Béo, bon, nous étions 500 mètres là pour arriver devant Kaye. Mais nous avons jugé le temps important pour nous faire parce que dans la communauté, ça a gagné l'église, gagné l'école, nous avons trouvé qu'il est important pour nous faire et puis c'est 500 mètres ça nous a fait là. Normalement, nous avons fait 31,5 ans, après ça pour nous imprégner, après nous avons imprégné, nous avons ballon deux jours, après ça pour nous commencer à faire asphalte là. C'est plus gros travail que nous avons fait pour nous. Nous avons gagné route, et puis belle baraille qui a fait dans le pays. Parce que le président a fait une route pour nous aller côté nous voulons aller. Depuis gagné route. Gen liberté. Nous comptons de travailler en fait là. Nous comptons en pile. Parce que les mains passées dans mon dôme, tout peut me traverser. En pile de tout fait de me traverser. Mon petit président, merci, mais tout songez nous dans la brouille. Le travail qu'a fait sur route là, est tellement important pour nous, chauffeurs moto, ni chauffeurs camionnette tout. C'est félicitations à travail là. Je suis content. Et en tête, nous, qui met travail ça sous pied pour permettre nous, solidarité nous, juste dans le moment pour moto nous, cap craser, nous disons grand merci pour ça. Je suis content ça qu'a fait là, en pile. Mon cher, me félicite président Jovenel.
à tout yo dit Michel pas réglé. Kafou méridien travail au cap avancé, je ne t'attendais quelques monde qui a utilisé route là, quelques habitants zone là et même qui saluer et qui asphaltage qui déjà fait et travail terrassement élargissement qui continue à être fait sous tronçon ça Kafou méridien et qui va arriver Kafou Béo et un peu plus tard on a bien l'autre image cap vini par rapport à niveau d'avancement et travail caravane changement sous tronçon Kafou méridien du 6. En Almaniche, je crois là avec toujours Lunel Jean-Louis et puis avec Pierre Maniche qui en deux département du sud et mon Maniche pas suspendre plein pour qualité route qui ont été gagné. Je dis à grand pile disposition qui prend avec TPTC Sud pour image Maniche changer surtout avec présence caravane dans le département qui j'en saurier pour ce maintenant qui ça déjà fait, qui ça cap fait, qui ça crété pour fait. On a suivi tout ça avec Lunel Jean-Louis et puis Hervé Pierre depuis Maniche. Voilà Serge Nolendo, Jean ou annoncé là, nous dans la commune Maniche, nous venons garder l'état d'avancement, travail qui a fait et sur route Maniche là. Jean ou regarder là, Jean ou constater là, travail et élargissement qui a fait sur route là, remblai commence à mettre sur route ça, donc dans l'idée pour permettre à la population qui vivent dans la commune ça, d'aller en souffle par rapport avec la situation difficile, yo te qu'on vive, les pour circuler dans la commune là. Nous invitons à regarder ensemble avec nous qui ça image aujourd'hui. Tronçon c'est Dolin Maniche qui est environ 14 km. Quand y a nous avons élargi près de 8 km là. Exactement quand on est campé là. Faut tout rappeler tout que n'a tout fait ceinturon pour nous tomber campéré, pour nous relier commune Maniche avec campéré. De seul coup on a tout fait Maniche campéré. C'est comme si son T n'a fait là. N'a fait route ça droite et puis n'a fait T ça qui tombe campéré, n'a fait l'autre LT ça qui tombe Cavaillon. Donc, nous avons relié deux communes. Les gens qui fréquentent les routes, nous avons toujours dit prenez patience, attention à matériel, parce que le matériel est un matériel qui est très dangereux. À n'importe quel moment, on fait n'importe quel accident. Le matériel a travaillé, il faut un petit camper pour un petit patience. Qui des matériels a fait une fête à la fin, après ça, il y a un passage là. Comme une caravane n'a pas encore arrivé, pour un petit patience, comme toujours annoncé, les choses ne sont pas faciles, nous avons arrivé sur eux. Yon après l'autre. Parce que nous ne voulons pas commencer en commune pour ne pas finir pour l'autre. Nous voulons finir un travail pour commencer un travail pour nous finir. Pour nous connaître finir ça, nous ne pas tourner dans ça encore. Le travail qu'on fait là, nous apprécions la zone. Nous commençons à faire un changement quand même. Pour nous avoir des difficultés, nous avons des caoutchoucs, nous avons bien, nous avons des problèmes quand même. Des machines ne peuvent pas passer pour nous avoir peut-être un espace, des machines à passer. Et nous comptons. Pour nous même dans Maniche, c'est le premier dérapage nous parce que tout le président qui nous a pas de travail ça. Pour nous avec ça, nous félicitons le président. Avec tout ça, mon guide est là. Ma petite président Jovenel, merci parce qu'il dépensait avec nous même mon Okaï, mon Maniche. Parce que tout président qui passe, il ne va même penser avec nous même Maniche. C'est Jovenel qui vient là, il fait un travail avec nous. On va nous dire merci, féliciter l'Empile avec toute l'équipe lui, on nous dit bon travail. C'est une plus grande bénédiction qui est capable de tomber dans Maniche. Parce que Maniche, son côté, son politique de confondre, pas de gens couvés. Pas de gens couvés. Et la journée aujourd'hui, nous avons, grâce à président Jovenel Moïse et François Lidl, comme sénateur, dans la zone. Quand le gros bail qu'a fait dans la zone, ça veut dire que les gens qui étaient dans la zone, dans l'autre pays, leur vie de Maniche, c'est pour l'autre Maniche qui a gagné, et pas Maniche qui a gagné ailleurs. Grâce à ce travail, ça a fait, parce que tout le temps, était comme à penser pour faire un travail à Maniche, mais ça n'a pas jamais fait. Mais dans le jour de nous avons une bénédiction qui est tombée dans Maniche, et puis tout le monde Maniche sentit vivre de travail ça qu'a fait grâce à le gouvernement ça, qui permet de créer l'activité ça dans la commune Maniche. Route là, côté de la Bouvic, c'était qu'on marchait avec cheval, les bois locaux, même machine pas de capacité. Si des machines jeunes, c'est une pour être campé, pour l'autre passer. Et en plus, le monde sortit, l'autre pays vient dans la fête Maniche, les tours de Lima. Là, il vient dans la zone, il dit, si c'est pas une tirette dans la zone, ça passe pas où tout machine passe. Mais là, je dis, si mon vin d'attaque, il dit qu'on a manifesté qu'on est hier, il est clair, je dis encore. Là, il y a un changement qui est quand même.
Donc nous apprécions le travail qu'a fait là. Oui, nous apprécions le travail qu'a fait là. Nous apprécions le travail qu'a fait là. Ça veut dire il a intérêt tout le monde. Et tout le monde voit vraiment le gouvernement ça qui vient de traverser la maniche. Mon cher, il va commencer à dire comme merci pour le bon genre de travail qu'a fait la maniche. Voilà, c'est Junior Lendor, c'est dans niveau ça, état d'avancement, travaillé sur tronçon route ça qui est lié Cafodolin, Maniche et travaillé Cap Vancé. Lionel Jean-Louis, Hervé Pierre, t'es présent pour informer ou pour informer téléspectateurs sur état d'avancement, travail, infrastructure qu'a fait sous commune Maniche. Nous avons parlé tout à l'heure de travail qu'a fait sur Carrefour Méridien et Carrefour Béro. Nous avons gardé le travail terrassement et la respect qui a commencé. Mais semblé, après monsieur Téfine quitté, nous avons retourné. Parce qu'il y a l'huile qui a commencé à mettre la perspective pour qu'il mette asphalte en volontaire, mais continue à mettre asphalte, puisque l'huile a dit tout à l'heure, bon quantité dans le tronçon route, il y a asphalte qui déjà mettait là-dedans. On a commencé à y aller pour Carrefour Béro suite à. Ben, le travail, l'élargissement, terrassement, qui est déjà démarré, gagné et du plus, que Lionel Jean-Louis et Hervé Pierre pour le partager avec nous, quoi il y a. Voilà, c'est Junior Lendor et Jean constate là, non toujours dans le bureau. Nous venons garder l'état d'avancement travail qu'a fait dans la section communale. Ça. Voilà, j'en tape garder le matin, le travail tap avancé, travail terrassement, enlèvement. Pour le moment, dans la nuit, le travail a continué à faire. C'est l'huile qui a mis sous route là. Donc, ils sont mobilisés, ils avancent à grands pas dans le cadre de travail. Ça. Nous avons eu la chance de parler avec quelques citoyens, soit Keshita et Boutlan, soit Sakeshita sous Galerie Lakayo, qui ont regardé le niveau d'avancement du travail. Nous invitons à regarder avec nous comment ça est. Travail, ma travail. Vraiment content pour le travail là et nous féliciter le président tout. En plus, le monde a commencé à parler du président mal, mais il a commencé à voir la réalité dans la zone. Là. En plus, le monde a commencé à féliciter le président et moi-même tout. Également, vraiment apprécié tout ça, le président a fait. Et je dis, président, Kembe là. Ça a fait son bon travail lié. Et directement, et, par rapport au travail qui fait là, nous avons zone à pleuver, les changer tout et nous comptons en pile. Ou t'as ville vulnérable en pile. Pour les sortir, et des Carrefour Méridien au montal pour le canal, c'est étant plus mise. Il faut dire qu'il y a un effort. Qu'on y a là au moins, les petits gens ont amélioré. Et le travail a continué comme ça. Le travail ça, qui a bien fait, qui fait ici à la Jodia, nous n'avons pas espéré ce travail ça qui a fait Jodia. Parce que nous voyons tout le gouvernement qui montait, nous n'avons pas aucun travail comme ça qui fait. C'est le premier gouvernement qui monte, nous voyons qui travaille cap fait dans le pays. Et moi-même, d'après moi-même, je ne pensais pas si je pouvais travailler ça. Le président Jovenel, je remercie l'Empile pour le travail qu'il a fait. Je remercie. Moi, je suis bien content, je félicite le président Empile parce que c'est lui-même qui pensait pour nous, qui est en dehors de John Béoua. Je remercie le président Jovenel Moïse, ensemble avec tout le gouvernement. Je remercie les députés, les sénateurs, je remercie en pile. Parce que c'est un bel travail qu'a fait la deuxième commune Tobek, la commune Tobek. Je suis content. Deuxième section, je me sens que c'est un gros privilège pour nous. Je suis content en pile. Merci président Jovenel Moïse pour ce qu'il fait pour nous. Je dis merci. Premièrement, à tout le monde qui a voté mieux, parce que je suis là pour le service. Et surtout,
pour arriver dans une zone qui est très spéciale moins. Nous avons fait 6.4 km asphalté avec canal tout bagage sur 1600. Son victoire liée pour Mbadip moins mais tout pour toute population, tout peuple qui t'a voté mieux, tout peuple qui t'a voté et l'autre monde, l'autre candidat PHTK yo. Et son fierté pour moi journée aujourd'hui là pour m'apprendre dans camé bureau. Ça fait un plaisir parce que me songe le cyclone là, c'est moi qui t'ai venu avec un petit bout de bacolo devine dépanner mais était là et l'homme privé moi qui caillot écrasé tout bagaille. Pour nous on a fait 500 mètres pour entrer en dedans pour arriver moins meilleur parce que en dedans côté meilleur c'est côté on fait en pile œufs, en pile élevage poule et c'est côté gain au moins c'est là tout mais dans studio presque dans presque du sud là vienne pas regret. Ça c'est un côté important pour nous faire et aussitôt nous fini là à soir avec peut-être 10h du soir n'a monté on a le fini du 6 pour nous arriver dans Cafoubéo et Sofia était lieu moi pour tout temps travailler pour toujours camper là et yo mettre ferme confiance sur qu'on aime pas chambre dans menti n'a privé sur après là nous bra Saint-Jean nous va l'entrée Saint-Jean. Et puis, sous Saint-Jean, si Maniche est fini pour nous mettre asphalte, nous mettons asphalte Maniche ou bien nous montons Cavaillon. Nous montons Cavaillon parce que nous avons l'hôpital qui est bon, qui est très important pour nous, il faut faire ça. Mais, il faut comprendre. Bagayo en pile dans nous. Bagayo en pile. Au fur et à mesure, on a privé. Et on connaît nos papas privés. Parce qu'on connaît, c'est nous qui mettons nous là, on connaît son seul monde, on a privé sur eux. Mais au moins, il faut comprendre que les choses sont en pile. Et je souhaite pour nous, bon petit patience, on a privé sur eux. N'importe qui j'en a privé sur eux. Même si nous arrivons, ce n'est pas des percées que nous commençons à arriver, on a privé sur eux. Même si c'est agriculture, on a privé sur eux en agriculture. On a privé tout le gens. Tout le monde parce que j'en paye à et paye à pas bon du tout. Et le problème nous gagne qui est plus grave pour nous, c'est que nous manquons de mettre tête ensemble. Et si nous mettons tête ensemble, l'autre monde ne vient pas nous mettre tête ensemble. Parce que nous avons fait ça, nous avons mettre tête ensemble. Nous avons fait 1804. Nous avons fait une bonne baille 1803. Tout ça nous fait, tout événement nous fait. Mais sans tête ensemble nous fait. Si nous avons tiré à division. Moun kap fè nou fè division. Yo gwo rezon sa fè a fè division. Yo gwo rezon sa fè ou vle division. Yo vle division parce que y habitué fè kòp dans division dans semé la panay. OK tout côté. Mais pays d'Haïti, tant pri. Ça c'est mwen kap mande nou, on met tête ensemble, frèm yo. Parce que nous ouais, ça nous gen exemple là. L'on met tête ensemble, nous on met tête ensemble pour détruire. Nous ouais qui j'en détruit vite. Et ben on met tête ensemble pour construire, pour ka construire vite. Voilà, monsieur était obligé de retourner dans la soirée pour aller regarder qui ça cap fait après il travaille terrassement, travaille élargissement et sous tronçon route ça et Carrefour Béro et ben dans la soirée lui il t'a metté et selon information que nous là asphalte là doit commencer metté avant longtemps on dit incessamment n'est-ce pas et sous tronçon ça avant longtemps mon Béro pral capable de gagner asphalte correctement selon précision responsable direction départementale sud, travaux publics, transport et communication. Et nous autres, au niveau télévision nationale d'Haïti, nous avons fait le devoir pour nous retourner et partager, pourquoi pas, images avec vous, partager information. D'ailleurs, c'est l'objectif du programme. Non, c'est qu'un beau informé, c'est peut-être ça. Nous avons équipé nos cas souterrains qui peut des images, qui est de web plus clair, qui est de comprendre, qui ça travaille, qui qualité différence travail ça capable de faire. Et dans quel niveau moun ko travayo a pu réaliser, à comprendre sa capacité. Et là, nous avons parlé tout avec Jean-Claude Tullian, sénateur Hervé Foucan, un sénateur département sud PIA qui prêchait tête ensemble, hein, mise en commun. Il a retourné sous l'exploit que nous avons fait le 18 novembre 1803. Mise en commun. Nous avons construit le PIA, nous avons construit la nation, nous avons donné une leçon vraiment à nul autre pareil.
a et la plus grande armée dans la période ça, l'armée napoléonienne. Alors, ouais, tête ensemble, nous avons construit tête ensemble, nous avons capable de créer espace ça, côté nous tout a évolué aujourd'hui. Donc, nous nécessité pour nous répondre à l'idéal de cette nouvelle pour nous continuer à avancer dans l'idée pour nous construire, pour nous assurer que ben, le pays ça a fait bon pour nous vivre et gagner, on dit, une stabilité certaine. Qui est capable d'attirer investissement et depuis gagner investissement qui a attiré, a gagné très certainement création richesse.